Donc je vais vous présenter cette nouvelle Honda NSX, qui est la deuxième génération donc, de la NSX, qui était un modèle culte de la gamme. La première génération était développée par Ayrton Senna, hein, c'est ce qui a fait la légende de ce modèle. Celle-ci est bien différente, alors on retrouve des caractéristiques communes avec la première version, comme l'emplacement du moteur qui reste en position centrale arrière. On retrouve aussi hein, une motorisation V6, qui est cette fois-ci turbocompressée, avec la présence de deux turbocompresseurs pour une puissance totale de 507 chevaux avec le bloc thermique. À ce bloc thermique viennent s'ajouter trois moteurs électriques qui développent environ 80 chevaux. Donc on a une puissance totale cumulée de 581 chevaux. C'est énorme. Une voiture qui abat le 0 à 100 en moins de 3 secondes avec un design très tranché. C'est une alternative au Ferrari 458, Porsche 911 Turbo ou Audi R8 V10 avec un côté exotique un petit peu plus marqué et puis des performances de premier ordre.